Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la Horde des Steppes, précédemment les Roxolans. Bonjour, les Marques au Mans. D'accord, il y a les Marques au Mans, mais le Mans c'est plus loin, bref. Ouais, c'est plus par là le Mans, attends, on est où? Voilà, plus par là le Mans, bref. Oui, je venais de conquérir la Libya. J'avais pas fait mes constructions en Libya. Voilà, comme quoi c'est bien des fois de jeter un œil. Alors. Tatata. Oui, on va voir au niveau des provinces. Il y a quand même quelques-unes qui me rapportent toujours une blinde. Même plusieurs blindes, j'ai envie de dire. Bon, cette fois, j'ai pensé à mon verre d'eau, mais il est vide. Ouais. Ouais, pas ouf, hein. Pour le prochain épisode, hein, qui sait. Allez, faisons le tour de nos constructions. Je sais plus si j'étais venu à bout des Boyens. Est-ce qu'il en reste un ou deux qui traînent? En fait, c'est surtout ça ma question. Est-ce qu'il y en a encore un ou deux qui traînent dans le coin? Ce qui est une possibilité. Ah. Ah ouais. Ok. J'ai un agent là, je crois que j'ai un agent qui traîne quelque part. Voilà. Y a rien, je peux rien faire nulle part. C'est chiant. Hein. Tiens, tu vas assassiner là-bas, toi. T'as un succès à faire. Là, je commençais à voler de la nourriture. Les Marcomans, ils doivent pas m'aimer beaucoup là. Ouais, pas grand monde qui m'aime, tu me diras. Les couches, ils sont en mer. C'est d'aller chercher. J'ai passé le tour? Non. Ok, on va y retourner. Le prochain tour, ça devrait être bon pour Aksum. Tiens, j'ai testé un. Pour ceux que ça intéresse, j'ai testé. Comment s'appelle Audible. Les livres audio, là. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais pris la peine d'essayer. Là, j'ai essayé un mois gratuit. Franchement, sur le principe, c'est bien quand t'as autre chose à faire, que tu peux pas te servir de tes mains ou de tes yeux pour lire. C'est cool. Par contre, moi je pensais que c'était genre lecture illimitée de tous les livres de la bibliothèque. Sauf que ta bibliothèque, en fait, c'est un livre par mois. Genre tous les mois, tu peux ajouter un livre que tu vas lire en illimité, mais tu vas pas le lire 50 fois ton livre au bout d'un moment, enfin. Et si tu veux rajouter un livre, eh ben le livre c'est 30 balles. Ouais, 30 balles. Hein. Je me suis renseigné, par exemple, là, je me suis fait l'épagnole il n'y a pas longtemps, donc le Topaz, la gloire de mon père, là je suis sur le château de ma mère, enfin, genre de choses. Bon, le livre en version poche, en version de poche, tu l'achètes achètes 8 balles, 7-8 balles, un truc comme ça. Le château de ma mère, j'ai dû l'acheter 7 balles, 7-8 balles, un truc comme ça, pareil. En lecture, donc sur Audible, plus de 25 balles. Durée 4 heures. Waouh! Non mais s'il vous plaît, c'est du foutage de gueule. Pas déconner aussi.
Donc, non, non, je ne reconduirai pas à cette acquisition. On dira, j'ai rien payé, donc ça me va, heureusement. Mais voilà, je vous déconseille, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille fortement Audible. Et même les livres audio. Enfin, si vous les trouvez. Voilà, imaginons un de vos copains le lit gratuit, le lit, hein, et vous envoie l'enregistrement, bien évidemment, de lui-même, n'hésitez pas, pourquoi pas. Mais en vrai, 30 balles un livre, pas déconner. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte. 4 heures, 30 balles. Je veux bien qu'il y ait du travail dessus, mais. Le nombre de livres qu'ils peuvent vendre, je peux dire qu'ils se font une marge, une sacrée marge, hein, les petits cons. Voilà. Donc, conseil entre vous et moi, moi et vous. N'achetez pas. Franchement, n'achetez pas. Enfin, ne vous abonnez pas à ça, c'est. Profitez de l'offre gratuite, c'est totalement légal. Si vous êtes en Amazon Prime, je crois que c'est 3 mois. Profitez juste des trucs gratuits, puis après laissez tomber. Hein. Et que ça va vous dire. C'est pas de la bonne pub ça. Heureusement que je fais pas ce monceau, hein, parce que je pense que. Je pense que je suis pas prêt de faire une sponsor. Non, non, mais en vrai, faut dire ce qui est. Quand il y a un truc bien, faut le dire. Quand il y a un truc de mal, faut le dire aussi. On est bon pour dire quand c'est y a des trucs de mal, mais. Un truc de bien, faut le dire aussi. N'hésitez pas, c'est toujours encourageant de. Je sais pas, par exemple, vous avez une bonne note. Si vous êtes encore à l'école, vous avez fait du bon travail, si vous êtes au boulot, on dit. On dit bien, bien, bravo, t'as fait du bon taf, t'as bien travaillé, t'as bien étudié, etc. Ça fait tellement plaisir. Hop, allez, tour suivant. Ouais, quand j'essaie de pas mal utiliser, moi, ce principe de. C'est bien, je le dis, c'est mal, je le dis. Parce que si on dit. Enfin, bon après, c'est chiant si. Non, pas. Personne ne fera que des choses mauvaises en fait. Ou alors vraiment, elle est pas dans son domaine, la pauvre personne, et c'est pas cool pour elle, quoi. Ce qui fait que ça ajoute de la valeur à ce que tu vas dire, de la valeur à tes encouragements, à quand tu dis également que c'est de la merde. Parce que si tu fais que de dire c'est de la merde, bah de toute façon, même un truc bien, tu. Enfin, le gars il va se dire en face, oui mais même quand c'est bien tu me dis que c'est de la merde, donc au bout d'un moment ferme-la quoi. Et il a raison. Il a totalement raison. C'est pour ça qu'il faut dire le bien comme le moins bien. Voilà. Bon. Il n'en reste plus beaucoup. On va s'avancer tranquillement. Et donc un peu de troupe. Je vais l'envoyer là. On va commencer notre conquête d'Enervia. Moi j'ai refusé parce qu'il m'a demandé du pognon et j'aime pas. Ouais bah j'ai bien fait tiens. Marc comment? Ah ouais? Ok c'est bizarre. T'as un Sparte ouais. Écoute. Je trouve Tiens, pourquoi d'ailleurs j'irais pas voler des territoires au.
Oh, les Italiens, là, tout ce qu'elle a, là, ça a l'air gratuit, hein. Pourquoi s'embêter? Alors que j'ai juste à récupérer les territoires que prend le marque. Les mains amont, quoi. Les mains amont. C'est génial. Rien d'autre à faire. De récupérer, se pencher, récupérer, quoi, c'est génial. Ouais. C'est vrai que j'ai zappé un peu depuis un moment, mais. Donc j'encercle. Et là, si je me trompe pas. Voilà. Et tout ça sans perte, s'il vous plaît. Appui d'Axum. Hop, ça reste des mercenaires. Voilà. Je peux même les faire revenir. Vous allez courir un peu, les gars, parce que là, vous êtes quand même sacrément loin. Ok, tac. Ils sont beaucoup. Non, c'est l'occasion. Hop. Ah oui, ils sont beaucoup par contre. Est-ce que j'ai la portée? Oui, j'ai la portée pour une embuscade. Pas équilibré, on va limiter quand même nos pertes. En plus, les étaler. Parce que j'ai l'impression que quand on équilibre, on étale un peu les pertes. Je pourrais pas aller plus loin à cause de mon seigneur de guerre. C'est dommage. Hop, ah bon, attends, j'ai. J'ai si peu de troupes là. Hop, coucou, hibou. Les brosses. Faut arrêter de courir un peu, hein. Ça devient chiant là de jouer à cache-cache. Hop, eux ils sont arrivés. Voilà. Oh, mais il a voulu jouer, lui, il va perdre. Hein. Il va même sacrément perdre. Moi aussi, je peux déplacer des troupes dans l'eau. Un peu plus rapidement que dans l'eau. Hein? Non. Là, il est en train de se dire ah merde. Sans déconner, dit.
Voilà. Bon, alors comme ça m'a saoulé là. Menacer mes côtes. Voilà. Allez, merci d'être passé. Bon, il est encore vivant, normal. Mais pas longtemps. Un espion là-bas. Lui. Moi, je vais m'occuper des dalmates. On sait jamais. Attends, j'ai pas changé les bâtiments là. Chercher pendant qu'ils sont en embuscade, ça nous donne un avantage très certain. Ah, peut-être. Alors peut-être. Oui, mon fuir. Ah ouais. Non, j'étais si proche. Et j'ai pas la vision. Je suis passé par là. Il y en a deux chemins à faire, lui. Merde, mon agent. Nope. Oh, mais ils disparaissent les... Ah. Voilà. C'est vraiment cache-cache, hein. Alors, il y a qui, là? Ça représente pas un risque. Oui. Lui, voilà. Ici, coucou. Là! Du monde. Ah, comment ça, je peux pas faire d'embuscade là? Tu m'expliques? Bon, d'accord, bah super. Y a aucune raison, mais je peux pas faire d'embuscade, c'est cool. Je suis obligé de me rabattre là-dessus. Hein. Attends, mais les deux, ils sont... C'est quoi le délire, là? Je comprends pas. Je vais un peu perdre sur les unités corps à corps, c'est pas très très grave. Ils ont la portée pour poursuivre. Ils vont peut-être avoir de la perte. Mais... Même pas. Ok. Et là, je vais m'avancer en embuscade. Vite. N'avait pas dit que c'était... commercial ici, ouais. Attends, putain, tout ce que j'ai. Je refais un petit tour parce que là... Non, je fais quelques conquêtes.
Pourrais tester faire un centre culturel aussi, tiens. Voir comment ça me rapporte. Hein? Ah non, je crois que j'avais des échanges commerciaux avec les Macédoniens, j'avais pas compris là. Moi, j'ai juste totalement mal lu. Putain, les couches, ouais, ils sont toujours en vie, ils sont chiants. Bon, comme j'ai la flemme, on va faire en automatique, mais avec toutes les pertes que ça leur fait, à leur place, non, non, oh, les petits cons là, sérieux? Ça c'est facile. On avait tout préparé. Par contre là je suis un peu dégoûté là. Hop. Attends, t'as plus parlé. Eux, ils sont totalement perdus, ils savent pas quoi foutre. Ils ont des bonnes pertes en plus. Là, ils vont encore fuir. Loin, 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 loin en plus. Allez, deux technologies restantes. Pas me faire prier, hein. Je peux te dire que ça va partir à l'abattoir. Hein. Oh, la vengeance d'un temple là qui se mange rapidement. Allez, merci. Ah, vu le coup de Trafalgar là, j'aurais pas du tout pensé, franchement. Je me suis fait avoir. J'avais qu'à être plus vigilant. Direction à la boue. Ouais, mais c'est pas grand-chose, dommage. Je sais pas la portée. Il me semble impeccable. Voilà. Il va se barrer. Voilà. Il y aura des steppes de la mer. Il ne reste plus que cette petite flotte. Pas ouf, pas ouf. Continue nos conquêtes. Hein. Et on va peut-être commencer à avancer là aussi.
j'avance. Commercial. C'est ça, avec toutes les pertes que j'ai subies à cause de toi. Les Italiens, ils voient le coup de Trafalgar venir aussi. Pourtant, ils le possèdent, Trafalgar. C'est quand même ballot. Section détruite. Alors, attends. Couche. Ah bah enfin! J'y croyais plus. Donc eux, tac, tac, voilà. Une flotte de moins à entretenir. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux encore? Ah ouais? Attends, vous êtes là depuis un moment les gars, je crois. Il y a un agent qui est passé par là pour me voir. Pour me déceler, je l'avais mis en embuscade. C'est-à-dire qu'ils ont des agents qui se baladent de ci, de là. Faire attention. Ils ont faim, c'est très bien. Là, ils pourront rien faire. Ah si, ils pourront fuir quoi, mais c'est tout. Ça me manque d'une troupe quand même dans le coin. J'avais pas mon roi, il était quelque part là. Je sais pas où est-ce qu'il est, mon roi. Ouais, je l'ai mis là. J'ai mis une des armées là. Mon empereur, pardon. Pardon, désolé. J'ai confondu. Je suis resté sur l'ancien plutôt, mais... Comme c'est que si je prends Flevlom, Bagacom, on sait pas ce que ça va devenir. Et j'ai la portée de déplacement qui est suffisante pour faire ça avant. Les carnutes, on s'en fout un peu. Je pense pas qu'il ait la portée. Non. On va certainement retarder nos plans sur les Lusitaniens. Ils sont alliés, j'ai vu, aux Arvernes. Donc on va éviter de faire une bêtise de suite. Hop. On récupère Sparte. Beaucoup ou pas? Bah non, ils sont pas beaucoup. J'ai très vite eu ma réponse là.
Ça meurt de faim, donc on va y aller. On occupe. On va avancer, on va se débarrasser de tout ce qu'il y a là, hein, parce que ça commence à être un peu embêtant. Ah oui, quand même. La vache. Ils m'ont fait des pertes pour pas grand chose ici. Hein. Ok. Peut-être vouloir passer là. Il va sûrement vouloir passer là. Si jamais il veut passer là, il aura affaire aux mercenaires sur place. Là. Ah oui. On a juste à récupérer là, c'est bon. Ah, ça a brûlé. Ouais. À Paris, oui. Là, je risque rien. Là, c'est tombé. Là, le tour prochain. Toi. Hop. Merde. Hop. Ouais. Est-ce que j'ai la portée ici? Oui. Oh, on avance bien. Ah, bah, il n'y a plus de nerfs, viens. On avance vraiment bien. Macédonien, est-ce qu'ils tentent? Non, non. Ah, il y a encore les Isiennes. Sparte. Ils peuvent pas faire grand chose, les jettes. Oh, les jettes, ils ont pris cher. Non, plutôt, je vais bientôt aller vous récupérer aussi. Ligue étrusque. Ah, ok. Oh les cocos, hein. Ouais, on va faire un siège ici. Je pense que les jets ils vont être trop occupés à essayer de choper un territoire pour faire quoi que ce soit. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bien sûr que j'en veux pas ici, ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Non. Non plus, putain. Les temples, etc. Là. Voilà. Oh, des rebelles helléniques. Ah oui, carrément. Ça va te faire plaisir, toi. Bah, ça marche bien en plus. Wow. Ah ouais, il y a du monde là. La tribu. Ah, je suis persuadé d'avoir pris Athènes. Mais c'est bizarre quand même, c'est long le déplacement. Oh, ouais, tu m'étonnes.
Hop là. Nous permet même d'avancer sur en condition de victoire. D'ailleurs, on va faire un. Je pense que là, le moment est venu pour faire le tour un peu de nos provinces. Derrière, on a pris pas mal de choses là. Attends. Coucou. Merci. Et zappez-vous aussi. J'ai même pas joué tout le monde. Ah bah les Dalmates, il n'y en a plus. Impeccable. Hop. Là. Tu passais? Bah essaye. Ah, plutôt aller là-bas. Bon, j'en étais où? Ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux bien. Ça n'apporte pas des masses encore, hein. Ok, putain, j'ai 2 300 000 de thunes là. Macédonien. Ah oui. Arrière, vous tous. Alors si tu pourras faire pareil en égalité numérique. Qu'on rigole un coup. Oh! Il y a les Romains qui sont revenus. Athènes qui demande la paix. Ils sont un petit peu délus hein, quand même. Hein. Sparte avec une ville. Demande à un empire entier de payer. Pourquoi pas? Allez, il n'y a plus de jet. Non, ici c'est minier. Ouais. Voilà. Ça m'oblige à passer de l'autre côté du fleuve, j'aime pas ça, mais bon. Je vais aller là. Là j'ai bien fait, ils avaient des troupes. Ils ont des troupes prêtes à faire, je sais pas trop quoi, mais à mon avis rien de bien sympa pour moi. On va les faire accélérer, il faut vraiment arriver ici, il y a de l'aluminium. Il est où? Ah, lui, il est là. Cadeau.
Simple, efficace. Ah dommage, quel dommage, oh là là. On va les attendre là. Moi tu me diras, je vais peut-être faire ça comme ça. On va prendre PA. Bon, on va commencer à prendre PA. On va prendre beaucoup d'Eva. Ça on aura l'ensemble de la Thracia. La pile de Macédoine, impeccable. Ok, on n'est pas trop mal. Franchement, on aura fait un bon travail là, sur cet épisode. Non? Je pense. Hein. Ils sont encore en vie. Hein. Là, bah, j'ai pas trop le choix que d'attendre pour l'instant. Je m'en prépare. Deux choix, soit je me prépare contre les Arvernes, soit j'en fais mes alliés et je récupère en récupérant Macédoine là, ce sera bon. Carthaginensis, j'en sais rien. L'Africa, je l'aurai. Italia, c'est un peu la merde donc bof. Bon, alors ça, ah, mais l'Italia aussi. Après, j'aurais la Macédonia là, j'aurais juste Italia à y chercher. Ah, culture dominante. Il va falloir quelques provinces supplémentaires, je sais pas penser à ça. On va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui, moi j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Thiob.